Les producteurs de coton luttent chaque année contre les ravageurs qui attaquent les feuilles ainsi que les capsules de la plante. La méthode la plus utilisée est celle des insecticides conventionnels, qui sont un danger pour la santé et pour l'environnement. Un groupe de producteurs-chercheurs au Mali est en train d'essayer un nouveau biopesticide à base de produits locaux. Thieba Bagayo nous explique ses résultats. Je m'appelle Thieba Bagayo et je suis en train de faire une recherche sur le traitement biologique du coton. J'ai divisé ma parcelle en deux parties. La première, je l'ai traitée avec un mélange fait de grains de Nîmes et d'huile de Kobi. La deuxième partie, je l'ai traitée avec les grains de Nîmes, l'huile de Kobi et aussi le piment. J'ai constaté que le traitement avec le Nîmes et l'huile de Kobi chasse un peu les ravageurs. Mais le traitement avec le Nîmes, l'huile de Kobi et le piment chasse beaucoup plus de ravageurs. Les intrants sont disponibles dans l'environnement d'ici, on n'a pas besoin de les acheter. On a les grains de Nîmes, puisque les arbres de Nîmes sont partout ici, et l'huile de Kobi, c'est pas cher. Le piment, on peut produire ça nous-mêmes. Donc, c'est plus économique comme ça. Les produits chimiques sont chers et tu t'endettes. Avec mon expérience, j'ai vu qu'avec le traitement conventionnel, les produits tuent tous les insectes, même les insectes qui peuvent être utiles. Par contre, le traitement bio chasse les ravageurs, ça ne les tue pas. Je crois qu'avec le biopesticide, je conserve ma santé ainsi que la santé de ma famille. J'ai le produit ici dans la nature, je ne l'achète pas. Ensuite, quand je fais le traitement, c'est aussi sans risque pour ma santé. Je crois aussi que j'aurai une bonne production. J'ai constaté que le produit est efficace pour le coton. J'ai essayé avec la pastèque, ça a donné un bon résultat. Donc, je vais continuer à traiter la pastèque et d'autres cultures, comme le nébé, le melon et les autres cultures maraîchères que j'ai fait, avec le Nîmes, l'huile de Kobi et le piment, parce que je veux abandonner le conventionnel et remplacer par du bio. Je demande aux autres producteurs d'appliquer le biopesticide fait de Nîmes, d'huile de Kobi et piment, parce que j'ai constaté que c'est très efficace et ça chasse beaucoup les ravageurs. Ensuite, Thieba va nous montrer comment on peut produire ce biopesticide. On aura besoin de grains de Nîmes, qui sont facilement trouvables un peu partout en Afrique occidentale. On aura aussi besoin de piment pilé. Et enfin, de l'huile de Kobi, facilement trouvable dans les boutiques des alentours. Ce sont les trois ingrédients pour notre biopesticide. On commence par piler 3 kg de grains de Nîmes secs. Après piler un peu, on les récolte et on les met dans un bidon de 20 litres. Ensuite, on ajoute une boîte de Nescafé de piment pilé et on remplit le bidon avec de l'eau. Maintenant, on ferme le bidon et on laisse reposer pendant 3 jours. Après les 3 jours, on verse le contenu du pulvérisateur à travers d'un filtre. Et à continuation, on ajoute 180 ml d'huile de Kobi, mesurée avec une seringue. Et voilà, le mélange est prêt pour être utilisé dans votre champ. Adama Samake a aussi testé ce mélange dans son champ. Lui aussi est satisfait avec les résultats. Je suis satisfait parce que cette année, au début de la campagne, il y a eu beaucoup de ravageurs dans mes deux parcelles. J'ai traité les deux parcelles, mais j'ai constaté que tous les ravageurs ont abandonné le côté où le produit avec le piment a été ajouté, plus que le côté où il n'y avait pas de piment. Cette année, j'ai eu la visite de quelques amis et voisins producteurs qui sont venus voir ma parcelle. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas de ravageurs et qu'il y avait beaucoup de capsules. Ils ont même dit qu'ils ne comprenaient pas comment on pouvait cultiver le coton sans traiter avec des produits chimiques et pas avoir beaucoup de ravageurs. Donc, comme ils ont vu eux-mêmes le résultat,
Ils ont dit que les années à venir, ils vont aussi essayer de traiter leur culture avec le neem, le piment et l'huile de Kobe. Comme j'ai constaté cette année, avec le piment, j'ai moins de problèmes pour mon coton bio. Les années à venir, j'ai pris la décision de traiter aussi les autres cultures, surtout le niébé, la pastèque et les cultures maraîchères. J'ai aussi programmé de faire une parcelle de piment pour pouvoir faire le produit. Cette année, j'ai fait une plantation de pastèque à côté de ma parcelle de coton bio. J'ai décidé de voir si le traitement bio était efficace aussi avec d'autres cultures, pas seulement avec le coton. J'ai divisé mon champ de pastèque en deux parties. J'ai appliqué le traitement conventionnel d'un côté et le biopesticide avec neem, piment et huile de Kobe dans l'autre côté. J'ai constaté que c'est la même chose. Le biopesticide est très efficace contre les ravageurs, autant que les produits chimiques. Les années à venir, je veux faire la parcelle de pastèque avec le biopesticide aussi.